Aujourd'hui on se retrouve à La Réunion. On va tester le plus grand skatepark de La Réunion. Il a l'air immense les potes. Je vous avoue que hier on a voulu tourner la vidéo et en fait on est arrivé au skatepark. C'était quelle heure? Il était 14h, 15h. Il fait super beau, super chaud, du coup bah les skateparks à cette heure là c'est plein. Voilà ce que ça a donné hier et pourquoi on n'a pas pu filmer la vidéo. Bon les potes, super grosse session aujourd'hui dans un skatepark. C'est tous des malades, c'est tous les boss. La Réunion, ah oui. Du coup bah go pour la deuxième journée aujourd'hui. Ce matin on va tester le skatepark, voir ce qu'il donne. Il est actuellement 7h du matin. Il fait déjà super chaud, il fait pas 30 degrés, il fait 25 le matin, mais c'est déjà énorme. C'est le temps parfait pour rider les potes. Let's go, on se retrouve directement au skatepark. Bon allez, on arrive au skatepark les potes. Est-ce qu'il y a du monde ou pas? Oh les potes, il y a personne. On a le skatepark de La Réunion pour nous. On est à Saint-Denis, du coup c'est la plus grande ville de l'île. On va se réveiller un petit peu, on va rider ça. Et on va essayer de envoyer du petit lourd ici. D'abord, petit échauffement, comme d'habitude. Et on s'équipe, let's go. Et ouais, ça y est, je suis, regardez, équipé de la tête aux pieds. On va commencer par s'échauffer, je pense que c'est le plus judicieux. C'est clair. Ah, ça c'est doux, c'est doux des. Le pire échauffement du monde, mec. Tu sais quoi, quand ça fait un nouveau skatepark, souvent je pars 5 minutes, je teste juste un peu toutes les rampes. Let's go. Ça se voit que je connais pas encore le skatepark. Ouais, il est bien creux ce bowl là. On verra peut-être, t'imagines je le drop mec. Bah ouais, j'aimerais bien en fait. T'es malade. Ah ouais, c'est comme ça ce coup de skate. T'es mat. C'est bon ça. Une petite note là sur mon petit dérapage. 4. Bah ouais, les deux roues elles ont... 5 les... Ah c'est merde frérot. C'est sur 20. On note pas sur 20 nous? On note sur 5 non? En vrai il est dard. Vas-y, tu sais quoi mec, dis-moi par quelle partie on commencerait. Le bol. Comment te parle la pâtisserie, histoire de vraiment t'échauffer? Ouais, on va y aller crescendo, on va commencer par les petites parties du skatepark, les moyennes et ensuite les grosses parties. Et les grosses parties, bah, c'est ce qui est le plus impressionnant ici, par exemple juste là, tu vois par exemple. Ouais, il y a un bon 4 mètres de drop là. Voilà, la petite partie street, c'est là où on va s'échauffer un petit peu pour le moment. Histoire de se mettre un peu dans le bain quoi, de s'habituer un petit peu au skatepark. Tu crois, on va commencer par tester le rail. Ah, attends, avant le rail, le curb quand même. Tu commences, whip et sortie hill. Ah ouais, il est chaud direct. Ah là là là. Oh, il y a eu les gros talons les potes. Ouais. Bon allez, quand même, vas-y, je vais le mettre. Allez. Là, franchement, quoi ouais. De toute façon, au montage, ça peut passer en first try. Hein. Ah. Bon. Wow. Ça. Damn right. Je vous présente le rail du skatepark. Le rail, c'est quoi? C'est une barre en métal qui est comme ça et qui fait ce bruit là. Parce que c'est en métal, et une belle barre. Tu rides dessus, tu mets ta trottinette dessus et tu glisses comme jamais. Oh. Non. Il est dur celui-là hein. Toi mon gars. Oh, je sais même pas où c'est une pompe mec. Le dévouement d'un youtubeur. Aujourd'hui nous retrouvons Antoine, un youtubeur dévoué enfin à sa communauté. Bon les potes, je suis totalement mort. Hier, je suis venu les potes, j'ai essayé un trick, je l'ai pas mis parce que j'étais en Game of Scoot. On a fait ça sur la chaîne d'un gars d'ici, il s'appelle Hector, vous avez le lien dans la description. Je vais faire finger kickless, donc ça. En transfert, donc ça veut dire prendre la boule et rater de l'autre côté en fait. Le plus gros truc les potes, je vais essayer. Est-ce que je vais mettre à La Réunion? Est-ce qu'on va valider La Réunion les potes? Prenez aussi qu'à ton avis, je vais mettre combien d'essais? En 3 essais. C'est quoi mec? Moi j'ai envie de dire en first try. Bon bah c'est pas du first try. Ah, j'ai atterri dessus hein. Ouais, t'as atterri dessus gros. Jamais rien lâché, toujours pas semer les potes. Pop, 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 pop. Damn! Oh, il est beau! Pour moi, je vais devoir faire des beaux drops sur le bowl là. Ils ont de la chance la Réunion, ils ont des beaux skateparks. Hein. Ah, il fait trop chaud, mec. 30 degrés, les potes. Il est 8h du matin. Ah, ouais, mec, je transpire de ouf là! Je suis en eau! Je suis une fontaine! T'as soif ou pas, mec? Vas-y, je peux boire à même ton casque. Ah non,
on y va mon gars, let's go. T'as fait un bar? T'as un petit coucou à la cam en l'air? Non. Ah là là. Ah c'est bon là. T'es venu à la Réunion pour bronzer, c'est ça? Non c'est vrai. Il fait trop chaud gros. Je peux faire des petits trucs sympas là-dessus non? Je pense qu'en plus ce qui est bien c'est que regarde hop, dame, il y a un transfert. Non mais tu sais genre ça c'est bien aussi regarde. C'est ça que tu parlais? Ouais. Bah si tu n'utilises pas transfert, je vois pas le grand intérêt. Transfert, tu parles de... Le transfert de là, avec le... De là. Voilà, exactement mon gars. T'en serais capable? Moi capable. Bah je te le demande hein. Fume frérot. Et là tu penses que tu peux enchaîner sur quoi après là sur le transfert? Là un là autre truc. Moi je te fais tout mec. Un front bride? Front bride? Moi j'aime bien les fronts. Tu sais pourquoi il dit ça? Regardez. Je l'ai fait hier, je me suis gamellé. Et après je l'ai mis mais je me suis gamellé hier. Ah vous t'as dit ça pour ça? Non non. Ah voilà, sinon je t'aurais direct envoyé dans le bol là-bas. Allez hop, tac la chute d'hier dans le bol. Ça balance les chutes comme ça. Et bah ça on a balancé sur toi mec. C'est le seul. Putain il était tellement rapide ton front bridge, je l'ai même pas vu. Oh mon gars. Eh hey, propre ou pas? Carré. La petite note? Mec c'était énervé. Bon est-ce que maintenant tu t'attaquerais pas? Ok m'a foutu un gros vent. Ah la note. Bah franchement 8 ans, celui-là il était vraiment bien. Ah si merde frérot. Eh hey, gros, comment ça tu testes des skateparks et tu fais pas de backflip? Mais j'allais y venir, premier backflip à la Réunion. Premier backflip à la Réunion. En vrai les potes c'est comme ça que je valide les skateparks. Si je fais pas le backflip c'est que j'ai pas validé les skateparks. Faut quand même un petit test tu vois. Ouais bah ouais. Validé ou pas frérot? Car on a un peu validé ce spot, par contre moi j'ai vraiment un questionnement sur le bowl, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, tu le bowl? Le bowl de cereal? Le bowl de cereal? On mange le cereal? Wow. Et tu mets l'olé? Non on va pas lancer un débat parce que là mec on est mal parti. Non. Là les potes, est-ce que j'ai un petit truc que je pourrais faire dans ce skatepark? Ah j'ai un truc mais... Ouais ouais, déjà il dit j'ai un truc mais... Vas-y dis-moi. En transfert là, triple kickless. Désolé les potes, j'ai oublié, il faut que j'aille dans le bowl et tout. J'ai oublié mec, putain je m'amène. Triple kickless, attends vas-y, c'est sur quel module tu m'as dit? En transfert du grand bowl. Je sais, ah ouais. Ok vas-y. Oh mec, oh, je suis choqué. On a vu le sol. T'inquiète, montage. Bon, il est temps les potes d'aller dans le bois. On teste le truc. Oui, 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 oui. Juste ma pause en fait. Ah t'as pas trop froid? Le mec il fait 70 000 degrés. Je suis en train de cuire. Et je parlais avec des réunionnais hier, ils me disaient que ouais justement les skateparks ici ils sont pas vraiment comme en France, ils sont un peu différents. Et en fait mec ils sont hyper raides. Par exemple tu vois mon petit bol mec à Maison Alfort, à mon skatepark local où je vais tous les jours, c'est pas la même hein. Allez on va dans le parti du bol. Vas-y on va tester l'autre partie, la dernière partie du bol. On va dropper de petit à petit, de petit à plus haut. Et si je suis chaud vraiment je drop la même. Tu drops d'où là? Moi je veux là tranquille hein. Il y a des petits drops des familles. T'as vu ma trottinette, elle fait du bruit mec. Ah bah c'est Bobby, c'est normal. Qu'est-ce qu'elle te raconte? Elle me dit qu'elle prend un peu plus de soleil, elle me dit fais vite s'il te plaît parce que là elle est... Ah ouais, t'as pas crémé Bobby? Non, je l'ai oublié mec, t'es en toute sécurité avec moi. Oh. T'es en toute sécurité avec moi. Le truc d'hier ou pas? Ouais. T'es sûr? Sûr. Oh j'ai eu... Il est passé crème là. C'est un truc que je mets facilement. Mais hier je me suis éclaté sur ce truc. Je vais faire un truc que je vous montre pas tout à l'heure. C'est le truc le plus indispensable ici. Viens avec moi. Ici il y a quelque chose qui est ultra important. Si tu le fais pas, tu peux pas vivre. Tu prends ça. Oh. Et tu t'hydrates. Dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Le Dorlo, dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Tu fais des OP pour des marques d'eau maintenant? Et des nains. Eau de source des montagnes de la région. C'est incroyable là. C'est l'eau du volcan les potes. Bon elle a refroidi hein. On l'a refroidi mais non. C'est ça non? Moi je pourrais rester une heure comme ça mec. Viens on va sur la plage. Et là cette barre là tu t'en fous de la faire? La faire mais j'ai pas les outils pour la faire. Alors j'aimerais bien que tu arrêtes de faire des blagues et que tu fasses cette barre. Enfin que tu la ride. La grind. La grind. Ah mince il parle pas anglais ici? Si si il parle espagnol. Yes pour favor I want a gelade pour favor. Allez les potes, on va prendre la dernière partie du bol. Oh le... Oh mec c'est horrible. Tu vois quand tu mets un short de bain, tu l'enlèves, t'es sec, tu le remets, il est mouillé. C'est horrible. Je suis d'accord. Bah là, c'est pareil. Ah. Ouais mais c'est dans la tête, c'est dans la tête. Sur 10 ma sensation, 0. Allez potes, on va tout donner. C'est parti.
C'est un peu haut quand même. Mec, c'est abusé. Mais mec, à pied, moi je le fais pas, c'est mort. Hein. Petit essai très rapide de si je l'ai fait ou pas après. Donne-moi un trick, ça perd. Double kickless. Ok, bah je vais choisir mes propres tricks. Hein. Vas-y, vas-y, double kick. D'abord, je m'échauffe et je te le fais après. Vas-y, double, double, double. Eh bien, t'es chaud, t'es chaud. Ça veut passer, je pense. Ouais, vraiment. Mec, eh, va l'aider ou pas? Carré, carré. Oh là là, mec. Oh, je suis trop chaud. Les potes, c'est ma trotte signature. J'ai juste changé la barre. Et en vrai, mec, tu te tiens bien. Franchement, je lui mets dans le ventre. Ok, wow, you know. I'm on a street triple kickless. You're on a scooter straight. Je t'ai brûlé. Voilà, ne pas toucher. Eh, faut pas toucher. Oh. Tu te rappelles du petit club de tout à l'heure? Là, ouais. Tu devais faire ça. Hein. Vas-y, je fais un dernier truc. C'est la chaleur, ça. Bon, au moins il est passé. Ouais, il est passé quand même. Bon, est-ce qu'on ferait pas l'énorme. Je pense que c'est le moment. Saladier, là. Wow. Une fois qu'on est là-dedans, en plus, tellement c'est haut, on est isolé du son. On va partir sur une séance ASMR, les potes. ASMR, les prêts, vous êtes potes? Le bruit du vent. Ça finit comme ça, mec. Je vais créer une chaîne YouTube, Scooter Street. De ASMR. Je fais quand même 1m80, ça se voit que c'est un peu grand. Ouais, non, c'est un délire, c'est un délire. Bon, on le descend ou pas? Si jamais tu tapes sur ce point là, c'est à dire que je suis obligé de le faire. Donc si jamais tu crois pas en moi, tu le fais pas. Tu crois en moi, ça veut dire. Je l'ai fait 4 fois, donc je crois 4 fois en toi. Allez, bon, ça passe ou pas les potes? Je pense que ça passe, hein. Mec, en vrai, de vrai, c'est raide, mais genre ça va. Hey boy. Bon, en vrai, validé hein, cette descente ou pas? Validé de ouf. Validé. J'avoue, en vrai, t'avais peur de ça alors que tu descendais méga rampe aux États-Unis, mais. Je faisais genre pour la vidéo. Ouais. La technique pour sortir d'un bol, t'envoies ta trotte. Fais attention à pas toucher la barre en métal parce que sinon tu vas le brûler. Et on laisse le caméraman dans le bol. Mais mec. Allez, mec, à la prochaine. Moi, je sais pas faire. Reviens. Mec, mais reviens, je peux plus sortir. Bon, les potes. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était énorme. J'adore la Réunion, c'est trop bien. Ça fait 2 jours que je suis là et franchement, coup de cœur. Les gens super cool, super gentils. C'est un plaisir. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vais cliquer sur le truc rond qui s'affiche sur l'écran pour t'abonner à ma chaîne. Et là, t'as une autre vidéo qui est sur ma chaîne YouTube déjà. Moi, je vous dis à dimanche prochain 11h11 sur la chaîne YouTube. Si tu kiffes cette série où je teste des skateparks dans d'autres pays, dans d'autres endroits, dans le monde, etc., je peux aller tester celui de Dubaï par exemple, c'est le plus cher du monde. S'il y a un maximum de likes en dessous de la vidéo, je ferai ça dans les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à plus tard. Mec, viens à la pêche. Allez, on va à la pêche. Allez, viens à la pêche.